What a beautiful day again in America. Heavy traffic, lots of trucks, supercars, under the blue sky and this hot sun, palm trees, building, clouds, smoke, birds, plane, trains, and the sea, the ocean as far as the eye can see, waves, relax. Nobody cares about you. People live their lives. If you die, people pass by. Donuts are more important than your life. So do what you want. America. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est les gars, on est parti pour une toute nouvelle aventure sur American Truck Simulator. J'espère que vous avez kiffé cette petite introduction. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous avez un petit peu compris l'ambiance de cette nouvelle aventure. Je suis tellement content de vos retours sur ma dernière vidéo sur Euro Truck Simulator 2, puisque on est carrément tous d'accord. Donc pour le coup, on va vraiment se faire kiffer, on va repartir à zéro comme on l'a fait il y a 2 ans sur Euro Truck, sauf que cette fois-ci c'est sur American Truck. Un grand merci à Eneba qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais vous le savez qu'Eneba c'est mon partenaire à l'année et grâce à eux j'en ai eu pour 20-25€ en achetant pas mal de DLC que vous pouvez voir sur l'écran. On va utiliser pas mal de DLC sur la map, aussi les DLC de convois exceptionnels, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai tout en description évidemment, les modes aussi, je vais tout vous montrer hein, parce qu'on va créer un profil là vraiment de A à Z là, tous ensemble. Donc ça va pas être trop long, mais voilà, sachez-le, l'introduction quand même, comme ça on fait tout vraiment de A à Z. Le but du jeu ça va être de découvrir un maximum la map, de monter son entreprise, d'avoir un maximum de tunas quoi, sans cheater évidemment, et ça va être vraiment super sympa. J'ai trop hâte de lancer la partie. Et ben c'est ce qu'on va faire tout simplement. Alors attendez, je sais plus comment on fait. Gestionnaire de profil. Voilà, et on va faire un nouveau profil. Voilà, je savais plus comment on faisait, ça commençait très bien. Alors, nouveau profil, on va l'appeler This is America. Don't try to catch me up. Non. Voilà, je suis un homme par contre pour le coup. La photo, pareil, on va se mettre une petite photo. Bougez pas. Hein. On va se mettre une petite photo. D'ailleurs, petite parenthèse pour mes cheveux. Vous inquiétez pas, mon petit défi de me laisser pousser les cheveux à l'infini, c'est bientôt terminé. Oh, je vais prendre cette tête, j'aime bien. J'aime beaucoup cette tête. Il a une tête à s'appeler Dylan, mais alors j'aime beaucoup pour le coup. D'ailleurs, gros big up à tous les Dylan qui regardent cette vidéo. Niveau camion, on va... on s'en fout de toute façon, puisque ça change absolument rien. Par contre, on va prendre ça. Logo de l'entreprise, Buffalo. Vous me connaissez, hein, moi c'est ambiance Buffalo. D'ailleurs, paix au Buffalo Grill qui n'existe plus vraiment comme il l'existait. Nom de l'entreprise... Mais je crois que je l'avais déjà appelé comme ça sur l'ancien profil, mais je voulais l'appeler Buffalo. Mco Buffalo, Bufcolo.
Bœuf colo, on s'en fout, on est là pour on s'en fout, bœuf colo. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire bœuf, donc attention quand même. Langue français et le gestionnaire de mode, on n'oublie pas le gestionnaire de mode. Regardez tous les modes qu'on va utiliser. Je crois qu'il y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment sympas pour le coup. On va commencer dans l'ordre tout en bas, c'est des modes du Steam Workshop. On a le Seizel Mega Pack, Realistic Roads, Longer Yellow Lights, Real Advertisements. Je pense que ça sert à rien que je vous explique c'est quoi l'intérêt de ces modes. Vous comprendrez, je pense. Real Traffic Density, Real Companies Gas Station, Air Ride Premium, ça c'est pour le siège qui est plus réaliste. De même pour la physique des camions ici. Trailer Side Lamp, c'est pour customiser un petit peu mieux les remorques avec les lumières. Seizel Trailer Pack Add-on. Ça c'est pour changer un petit peu l'interface. Ça c'est pour tourner la caméra plus librement à l'intérieur. Sound Fixes Pack, c'est pour l'audio. Pareil pour la météo. Background. Attendez, parce que là j'ai déjà mis un mode similaire, si je dis pas de bêtises, un Gas Station. Et là je l'ai aussi Gas Station. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais enlever celui-là. Voilà. Comme ça on évite tout problème. Road and Wide Noise, ça c'est aussi le son, Hanging Item et Super Engine and Transmission, c'est plutôt pas mal, on va confirmer tout ça et on va se créer le profil. Je vais vous passer l'étape où je configure le volant parce que c'est très chiant, on va créer le profil avec les DLC, on est tout bon. Hein. C'est parti, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se retrouve juste après. Allez, je vous reprends juste petite parenthèse parce que j'avais oublié le siège social. Sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter. Alors déjà, je vous montre les états qu'on a débloqués. Donc nous avons le Nouveau-Mexique en plus. Par rapport, je parle en Vanilla. Donc pour moi, c'est de la découverte. Hein. On a l'Arizona qui s'est ajouté. On a Utah qui s'est ajouté. Le Nevada, je crois qu'il y est de base. Idaho, Washington, Oregon, tout ça. Putain, je pensais pas que j'avais pris autant de DLC. Et merci Eneba. Et voilà, donc pour ce qui est en plus, à noter que donc du coup on n'a pas le Colorado. Est-ce qu'il y a un DLC pour le Colorado? Je sais pas. Je sais pas si ça existe ou pas. Dans tous les cas, nous voici aux États-Unis. Où c'est qu'on va commencer? Alors je vais être très honnête avec vous. J'ai pas envie qu'on fasse comme d'habitude. Moi, vous savez, je suis très fan et j'aimerais vraiment y aller un jour à Los Angeles dans la vraie vie. Mais on va pas commencer là-bas parce que c'est le classique et on connaît déjà l'intro, vous avez vu. Donc on va commencer, mais vraiment en mode America. J'hésitais encore. Et Washington, les gars. Oh là là, Seattle. On commence à Seattle, j'en ai rien à foutre. Souhaitez-vous passer par le tutoriel? Non, on s'en fiche un petit peu. Washington, les gars. Enfin, Seattle. Moi, ça me fait penser, voilà, The Last of Us, tout ça. Enfin, et puis tous les films qui tournent autour, quoi. Bon, allez, je configure encore tout ça et puis on est parti. Hein. America! Ça y est, on y est, les amis, attendez. Normalement. Ah ouais, tout est déjà bien configuré, visiblement. Ça doit être, je sais pas, le lien entre Euro Truck et American Truck, je sais pas, mais... Tout a l'air d'être bien réglé, au fur et à mesure je réglerai s'il faut. On est parti les amis, le but du jeu c'est de rouler le plus RP possible durant toute l'aventure bien évidemment. Et nous sommes dans un petit Peterbilt que je ne connais pas, on est là pour découvrir évidemment. Je suis pas très camion de base, donc encore moins américain. On transporte pour commencer ce tutoriel des fournitures de bureau, donc ça va être un mini trajet hein, dans la ville. Hein. On est donc à Seattle, je sais pas comment vous prononcez. Et ben écoutez, nous on est parti. Je vérifie un petit peu le moteur, on fait chauffer. Ok. Alors là, ce qui va être génial, ça va être de s'habituer au museau. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Le museau avant du camion. Ça, c'est un truc qui va me jouer des tours. Alors par contre, je suis en train de voir qu'il y a une caméra là-bas. Alors attendez, on va y aller. Hein. Eh, dès le début, premier épisode, on a un centre d'intérêt. Ah oui, alors les rétroviseurs, par contre, faut que je m'habitue aussi parce qu'ils sont très très éloignés par rapport au camion par chez nous. Oh la vache. Oh, ça va être... ça va être folklorique. Il est où le point d'intérêt? Il est là, magnifique. Et ben voilà, on va déjà avoir une première cinématique pour vraiment bien commencer l'aventure. Ok, c'est pas réglé comme sur Euro Truck. Oh, c'est juste génial. Oh là là, je vous jure, déjà j'ai une meilleure sensation. Comment ça se fait que le volant est plus réaliste sur American Truck que sur Euro Truck? Je ne sais pas, très bizarre. Hop, on coupe et on regarde notre première cinématique. Le port d'Amsterdam, dans le port de Seattle. Avec évidemment les docks, camion de pompiers, ok, si jamais, ça peut toujours servir. On peut voir porte-conteneurs, évidemment, petit bateau, magnifique. Ça, c'est typiquement le genre d'endroit qui m'angoisse, hein, sachez-le. C'est des endroits qui m'angoissent, je vous le dis, dans la vraie vie. C'est un truc de fou.
Et je pense à... Je crois... Non, Félix, il fait pas ça, non? Je sais plus si Félix fait ça, mais big up à toi. Et puis big up à tous ceux qui font ça, qui transportent des compteurs, en fait, tout simplement. Alors, c'est bien parce que vous, vous avez rien à faire, normalement, vu que... Enfin, vous avez juste à vous placer, tac, on vous met. Mais moi, ça m'angoisse. Ah si, vous devez quand même vérifier, non, je sais pas quoi, si c'est bien fermé, je sais pas, enfin bon, bah, je me suis quand même renseigné à l'époque, hein, sachez-le. En tout cas, voilà. Ah bah voilà, ce dont je parlais, là, le truc qui permet de décaler. Alors c'est pas très glamour quand même, comme première cinématique, forcément, je m'attendais à autre chose, mais c'est le port. Oh, on voit une grande roue là-bas. On voit la grande roue de Seattle, on voit les bâtiments, frère. Eh, hey, The Last of Us. The Last of Us 2, tu détruis tous les bâtiments et c'est exactement... Enfin, c'est Seattle quoi en même temps. Enfin, moi j'adore. Moi, je suis fan. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Ok! Eh ben, c'était plutôt sympa comme première. Comme première approche. On va pouvoir partir de ce pas. J'aurai quelques modifications à faire dans les paramètres. Il y a quelque chose. Quelques petites choses qui ne me plaisent pas trop. Mais c'est pas bien grave. Ok! On est parti. Attendez. C'est une blague? Je vais pas pouvoir passer là. Je vais pas pouvoir passer, vous voyez ce que je vois? Mais non, mais je suis débile. Oh! Je suis juste tout simplement débile. Attendez, excusez-moi, ça commence très mal. Je vais éviter de faire de la merde dès le début, donc je vais tout simplement faire demi-tour. Hein. Rien de bien dramatique, surtout qu'il y a personne. Donc, je vais préférer faire ça plutôt qu'amocher le camion. Hein. Là, le but du jeu, c'est zéro dégâts. Hein. Je vous le dis, hein, on n'est pas là pour rigoler. Je la sens pas du tout cette histoire, alors moi regardez, je vais vous montrer ma logique hein. Je vais vous montrer ma logique. Oh la vache, ça passera pas devant. Oh, les camions américains, ça va être une dinguerie hein, pour les manœuvres. Bon, désolé pour la remorque. Mais là le museau avant, tu crois que ça passe? Ça passe. Ok. Vous savez ce que je vais faire? J'en ai rien à foutre hein. J'ai trop peur et j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Donc je m'en fous complet. Je prends le sens interdit, je sais que ça passe puisque c'est de là que je viens. D'accord? Hop! Ni vu. Ah mais non, mais c'est pas un sens interdit en plus. Et ben voilà. Bon, dans tous les cas ça passait, mais voilà, je préfère passer par là. Je me sens plus serein là, regardez. Hop, tac. Voilà. Et il me faut un temps d'adaptation les amis hein. Je pense que vous comprenez la démarche. Mais il me faut vraiment un temps d'adaptation. Parce que pour le coup c'est pas du tout la même chose que sur Euro Truck. Donc vous allez me voir, je vais pas rouler très vite au début. Mais c'est tout à fait normal. Bon, maintenant on va essayer de sortir de ce labyrinthe. On va essayer de sortir de ce merdier. On va passer par là. Juste entre les deux cargos. Entre les deux cargaisons. T'inquiète, ça a pas touché hein. Ça a pas touché, ça a juste frôlé. Je vais pas te mentir que j'ai eu une petite sueur froide. Mais tout va très bien. Bon bah voilà, on est parti, on est tout bon. Pas de radio en fond pour ce premier épisode parce que bah, l'idée c'est qu'on se concentre, qu'on s'amuse aussi à découvrir. Et puis au fur et à mesure quand on va découvrir différents paysages, je remettrai de la radio en fond, je vous rassure, avec des petites musiques country, des petites musiques voilà comme ça. Ouais, franchement de la musique à l'américaine quoi. Je me suis fait niquer là. J'ai fait tout un détour pour rien. Bon, c'est pas grave. Eh ben, vivement qu'on sorte d'ici. Je vous le dis, hein. C'est le genre d'endroit qui m'angoisse. Non, mais c'est pas par là, la sortie. Oh, je ne comprends pas par où je dois sortir. Mais imaginez-moi dans la... imaginez-moi dans la vraie vie. Bon, normalement, tu te fais engueuler par les gens, mais... Non, mais frère. Oh, c'est trop... Je suis désolé pour la remorque. Enfin, pour le camion, surtout, là, ce que je suis en train de faire. Ouh, la vache. J'essaie de me limiter pour pas trop faire de dégâts. Oh putain, je me suis fait peur. Oh, heureusement que c'est des camions à l'américaine qui tiennent le choc hein, quand même. Hein. Bon là, la remorque, normalement, elle est morte. Hein, mais Oh la vache. Bon, c'est bien. Hein. Un premier épisode qui commence comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de tout de suite prendre en main. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là, putain, je suis con. Il suffit de suivre les flèches. Ok, tain, faut vraiment bien tourner pour le coup. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ok, là en plus c'est super serré. Enfin, ça m'a l'air super serré hein. Mais c'est pas si serré que ça. C'est juste l'impression dans ce camion quoi. C'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Le feu qui passe au vert, magnifique, merci messieurs dames. Est-ce que le GPS je peux le régler? Non, j'ai pas l'impression. Faut encore que je configure certaines touches. Je le ferai à la fin de cette livraison en off. Eh, je vous rassure, on va pas faire qu'une livraison aujourd'hui hein. On va en faire une deuxième. Eh, hey, on est là pour se régaler.
Je suis tellement mais content et hypé de démarrer cette nouvelle aventure, les frérots, mais sans déconner, quoi. Genre, là, je sais que je vais vraiment, mais comme au début de notre aventure sur Euro Truck, je vais poncer le jeu, quoi. Je vais rouler, je vais avoir je sais pas combien de vidéos d'avance, je vais essayer d'être le plus quali possible, je vais rouler en off, etc. Ça va être, mais juste, génial, quoi. Et je suis trop content parce que dans la démarche ça vous plaît parce que bah voilà, il y en a qui sont pas spécialement, enfin qui connaissent pas forcément American Truck, donc ça leur permet de, ça vous permet de découvrir ou qui s'intéressent pas, enfin qui se sont pas intéressés à l'univers tout comme moi, et donc du coup ça nous permet de s'intéresser un petit peu à l'univers. Et puis voilà, bah c'est beaucoup moins lassant maintenant, on peut quand même se dépayser un petit peu parce que bah comme dit Euro Truck c'est bien beau mais on connaît quoi, on connaît et ça nous empêchera pas de revenir sur Euro Truck pour certaines maps, notamment en Grand Utopia comme vous l'avez dit évidemment. Et comme je l'ai dit, puisque, ouais, les gars, pas mal de surprises qui vont arriver par la suite. À partir de la semaine prochaine, il y aura des petites surprises qui vont arriver. En rapport avec Euro Truck, je parle. Hein. Je parle pas de mon projet. La semaine prochaine, il y a aussi mon projet qui sort, vous le savez. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Non, là, je vais tout droit, là. Ok, alors attends. Juste, je regarde l'avant du camion pour voir. Ah ouais, faut faire gaffe quand même. Hein. Ah, je vous le dis, durant cette aventure, les distances de sécurité, je vais les respecter comme vous avez jamais vu ça. Sur l'autoroute ou quoi, vous allez voir, je vais avoir des distances de sécurité de malade. Mais au moins, ça nous évitera tout problème. Ça nous évitera tout problème. On est vraiment pas mal. J'ai des trompes sur le camion, autant en profiter. Oui, putain. J'ai oublié de passer les vitesses. Je me suis cru en automatique pendant un petit moment, quoi. Ok, et là, on va à droite. A noter aussi, alors j'ai posé des questions avant de démarrer cette aventure à Seb qui joue beaucoup à American Truck Simulator 2 et qui a des contacts américains, enfin en tout cas aux States qui font du camion. Et du coup j'ai demandé si les camions étaient bridés ou pas. Alors je sais que j'avais déjà posé la question à la communauté il y a quelques temps, mais en vrai j'ai complètement oublié. Donc j'avais posé la question, est-ce que les camions sont bridés comme en Europe, enfin comme en France pardon, ou pas. Et la réponse est non. Donc ça c'est cool. Mais évidemment, dans chaque état, il y a des limitations de vitesse. Enfin, tout comme partout, quoi. Hein. Et puis voilà, il y a des limitations de vitesse. Donc ça change pas. Mais en gros, les camions sont pas bridés. Donc dans, voilà, on peut monter à des kilomètres heure qu'on n'atteindra jamais dans tous les cas, puisqu'on est là pour respecter. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était la petite parenthèse. Toujours bon à savoir. Ok, bon, on va se barrer de cet endroit. On commence à Seattle, c'est bien, mais c'est très, très industriel par ici. Faudra que je règle aussi mon frein parce qu'il est un peu trop fort. Mais mon GPS il est complètement buggy, on est bien d'accord. Parce que là je pouvais pas passer frérot. Ok. Tout. Quand je vais retourner sur Euro Truck Simulator 2, je ne vais rien comprendre, hein, je vous le dis. Hop. Magnifique. Alors, au niveau de la livre de la manœuvre, on va. Et on est là pour faire de l'XP les gars. Franchement, et puis il faut qu'on prenne la main quoi. Il faut qu'on prenne la main quoi. Donc, on va faire cette manœuvre. Mais attendez, la manœuvre est ultra simple, attendez. Enfin, j'ai l'impression que la manœuvre... Est-ce que ça passe? Oh, ça passe pas. Tu vois, moi je pensais que ça passerait, ça passe pas, j'ai bien fait de m'arrêter. Oh là, il faut vraiment que j'apprenne... Est-ce qu'on peut appeler ça un pare-feu avant? Enfin, un pare-feu... Comment ça s'appelle de nouveau là, le faux... Le pare-faux. Eh, comment on appelle ça de nouveau? Non, ça. Oui, le pare-choc. Mais comment on appelle ça le. Oh, tout ce que j'ai appris durant mes trucs, j'ai oublié. Le faux. Bah, le pare-faux. Le faux. Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les gars, c'est terrible. Les gars, je me sens vraiment débile pour le coup. Hein. Eh, bah, heureusement que j'ai arrêté ma formation. Alors attends, va. Elle va être vraiment bien cette manœuvre. Elle va être vraiment bien cette manœuvre. Hop. Elle va être vraiment bien cette manœuvre. On va pas se casser le crâne. Hop. Et c'est parti. Je vais juste désactiver le suivi de la tête. Voilà. Bah, y a juste à aller tout droit en fait, tout simplement. Et voilà, toc. Ni vu ni connu. Oula, je vais un petit peu vite quand même. Ouais, il faut que je règle le frein. Faut que je règle le frein. Ça freine beaucoup trop fort pour moi. Voilà. Eh, on est pas mal, hein. Franchement, en plus je suis droit. Bon, c'était pas la manœuvre la plus difficile. Voilà qui est fait.
Première livraison d'effectuer assez rapidement. On a fait 4 miles, 38 minutes. On a consommé un petit peu. On est toujours niveau 0 bien évidemment. Et nous voici sur le menu principal du jeu dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Que dalle. Bref. Alors si le jeu commence à planter, ça va être très embêtant. Dans tous les cas, je vais reconfigurer les touches et les réglages, donc je vais vous reprendre dans quelques instants. Oh, je suis content parce que les gars, comme le jeu a planté, je me suis dit, à mon avis, il va falloir que je refasse la livraison. Voici donc mon siège social, avec évidemment, putain, c'est vraiment à l'américaine, hein, pour le coup, les étoiles et tout. C'est toujours plus, quoi. Ok, donc notre petit garage basique, évidemment, il nous souhaite une bonne chance, merci beaucoup. On va se refaire donc une nouvelle mission rapide, évidemment. Nous sommes donc à Washington, à Seattle, on va partir de Seattle, nous n'avons point le choix, et nous allons faire, évidemment, tout ce qui est prix kilométrique le plus rentable. Et nous allons descendre directement direction Vancouver, Portland, ok. Réservoir pressurisé avec ce camion, c'est le même en fait. C'est exactement le même, Peterbilt. Donc ça va nous permettre de nous habituer un petit peu à ce camion. Et on est parti pour $6,000 de rentabilité. Vous inquiétez pas les gars, on va faire de la moula. On va faire de la moula, gars. Et des convois abonnés. On en fera probablement sur American Truck Simulator, faudra juste avoir les mêmes modes que moi, on en parlera, mais vraiment, je pense que des convois abonnés, on va en refaire sur American Truck, et ça va être très sympa. Ok, magnifique, ça y est, donc là j'ai tout bien reconfiguré, en théorie, le freinage aussi, on est tout bon. Ok, on doit être tout bon, donc de retour avec ce camion, on recommence exactement du même endroit, mais frère, toujours plus la remorque! Toujours plus! Frère, regarde la taille! Mais regarde! Mais ça, t'imagines ça? Mais non mais là on est mort. On est tout simplement mort. Ok, bon déjà on va essayer de sortir d'ici. Attends, la fenêtre par contre on va la fermer parce que niveau pollution par ici, hein, peut-être pas exagéré. Non mais attendez, là on est mort. Mais guette la taille de cette remorque, frérot. Alors déjà on va bien prendre large. Oh la vache, on va s'amuser. Bon maintenant je sais comment sortir d'ici, c'est déjà pas mal. Mais c'est trop long derrière, hein. C'est beaucoup trop long derrière. Alors c'est pas exactement le même camion, hein. C'est pas les mêmes vitesses, hein, je suis en train de remarquer. C'est-à-dire que là je suis en quatrième, là je passe en sixième, ok. Enfin c'est le même camion mais c'est pas le même, comment on dit, le même moteur, quoi. Oh my god. Derrière, ok, ça tourne, ok. J'essaie un peu d'analyser le, le comportement de la remorque. Oh mon dieu, ça va être une dinguerie. Allez, on est parti. Bon après vu la cargaison, c'est pour ça le moteur c'est pas le même. Sinon il serait pas adapté par rapport à l'autre. Parce que l'autre tu faisais tu commençais en 3ème vitesse, après tu faisais 3, 6, 9. Alors que là du coup c'est du 2, 4, 6, 8. Pour avoir plus de patates. T'as vu comment je fais, genre je m'y connais tout. Ok du coup on va s'amuser là, hein. On va clairement s'amuser. Je la sens pas moi cette histoire. Je la sens pas cette histoire. On a quand même un bon trajet devant nous. Je pense qu'on va vraiment bien s'éclater pour le coup. Hop là, hein, je vais un petit peu. Oh putain, le freinage c'est pas bon. Ok. Désolé, hein. Le freinage c'est toujours pas bon. Mais je pense que je vais tout simplement m'adapter à ce freinage, hein. Vous allez voir quand je vais retourner sur Euro Truck Simulator, je vais pas freiner, vous allez voir, ça va être drôle. Je vais foncer dans les murs, je vous le dis 100%, hein. C'est c'est clair et net. Ok, alors attendez parce que là c'est pas que, voilà, mais hein. Hop, le feu vert. Eh, le feu vert, bon, je passe au feu rouge. Et j'ai pas votre time, moi, hein. J'ai pas votre time. Ok, allez, on est reparti. Donc jusqu'ici on connaît. Ah oh là là, ça c'est vraiment, c'est vraiment sympa, hein. Mais niveau qualité en plus quand même, on est sur une qualité très différente. Je sais pas si ça va rendre pareil en vidéo. Après ceux qui jouent, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça impressionnant, quoi. Entre Euro Truck qui est très bien, qui a même augmenté sa qualité, bah American Truck restera supérieur à Euro Truck. Et je trouve ça fou. Niveau qualité je parle, hein. Je trouve ça fou. Enfin il y a un truc différent, quoi. Il y a un truc différent. Alors là on peut regarder un petit peu le GPS qui nous attend. Donc là on sortira de Seattle, on va passer par Tacoma. On verra ça. Ouh, le cargo. Bonjour le cargo. Tout 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 tout. Et on rejoint la circulation. Oh la vache! Eh, y avait pas de monde avant, hein. Et là, faut que j'aille à gauche. Oh, c'est quoi cette intersection?
Ah ouais. Je suis nouveau dans la ville, hein, les gars. Je suis un nouveau routier. Faut être indulgent. Regardez ma plaque d'immatriculation, je suis étranger. Ah ouais, non, là, ça va être compliqué. Oh la vache. Ah ouais, j'ai du poids derrière. Wow. Allez, on y va. Oh. Ah ouais, non mais attends, mes frères, le camion, il est pas du tout adapté à ce que je transporte. 60 000 livres. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça correspond. Ok, speed limit 40 miles par heure, bien sûr. Alors, on va pas s'amuser à chaque fois à convertir en kilomètre heure parce que j'avoue, je sais pas faire. Mais on va juste, voilà, se dire que c'est limité à 40 miles par heure. Mais ça ne veut pas dire du tout 40 km heure. Donc là, on va rester sur la droite, direction Tacoma. On va essayer d'anticiper parce que, frère, les intersections ici, enfin les... Je n'y connais rien, quoi. J'imagine que je dois aller à droite, là, non? Non? Il me dit rien, le GPS. Non, je vais rester à gauche. Je vais rester à gauche. Je pense que c'est un très bon choix. Ah oui, en effet. Ok. Ok, on est sur l'autoroute. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que les autoroutes, bah forcément, c'est un peu redondant. Mais du coup, sur American Truck, du coup, c'est différent, quoi. Ça va un petit peu nous dépayser. Par la suite, on évitera de prendre les autoroutes, évidemment, pour prendre des petites routes sympas de campagne. Mais bon, là, on commence, donc on n'a pas le choix de prendre des autoroutes, quand même. Faut pas exagérer. Alors, je commence déjà à foutre ma merde, hein. Non, mais c'est trop. Mais c'est trop. Mais pourquoi le camion, il s'est mis à gauche? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez contourner le poste de pesée. Comment ça vous pouvez contourner? Ah, il y a un poste de pesée et je suis pas obligé d'y aller, d'accord, ok. Et pourquoi je me suis mis sur la voie du milieu du coup? C'est complètement débile. Oh la voiture! Pardon, pardon, pardon. Oh la vache, je commence déjà à foutre mon bordel. Excusez-moi. Je commence déjà. Voilà, très joli Nissan. Je sais pas du tout, hein, c'est quoi comme voiture devant. Je suis désolé, je commence déjà à faire mon bazar. Et comme on dit, de toute façon ici il n'y a pas de pitié, hein. This is America. Et ben voilà, il faut que je décale à gauche. Non mais c'est une vanne. En fait j'avais anticipé. Alors là on va éviter de faire les cons, on attend que la voiture passe et hop j'y vais direct. Hop. Voilà. Quel enfer. Quel enfer, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a l'air d'avoir un bouchon. Eh bien voilà, on est plutôt pas mal. Du coup là on est en train de... Merde, pardon. On est en train de passer Tacoma, ok, on n'est pas rentré dedans. Et ensuite on va par Olympia. Et voilà, c'est déjà pas mal comme itinéraire. Donc là on va faire que de l'autoroute je crois. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors vous vous doutez bien du coup, hein, je vous l'ai dit, je suis hypé de ouf. Donc forcément, niveau contenu, American Truck, on va y aller quoi. On va pousser, on va pousser. Donc à la vidéo de dimanche, bah, ce sera du American Truck, hein, de toute évidence. Du coup, bah, demain, je vais sortir une nouvelle vidéo qui dure 6 minutes. Une vidéo détente, fun. Vous allez voir. Vous allez voir. Sans prise de tête. Ah, j'ai pas plus de... Ah, j'ai que 10 vitesses. Ah, merde. T'es sûr? Ah ouais, putain. Oh, c'est pas bien ce que je fais, hein. C'était juste pour vérifier. Alors, attends. La voiture, tu m'as vu? T'as vu que je voulais tourner à gauche? Ouais, elle me laisse passer. Ok. Ouais, donc demain, vidéo détente 6 minutes. Pour compenser, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo qui sort demain. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Je voulais vraiment la faire, mais comme bah, dimanche, je veux faire du American Truck, tu vois. Donc, je la sors demain. Donc, ça fait une vidéo par jour, encore une fois, cette semaine. Sauf jeudi d'ailleurs. Hier. Voilà. Ok. On est à combien là? Limité à 60 et on est à 60 et quelques. 62, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on va mettre hop le régulateur. Est-ce que le régulateur est activé? Oui. Attends. Là on voit le régulateur, voilà. Parfait. 63. 63. Miles per hour, per hour. Welcome. Welcome on my YouTube channel. This is America. Salida. Petite cinématique quand même, les gars. Hop là, c'était du rapide. Hein. Oh punaise. Non mais hé, la cargaison, elle est quand même vachement longue. Hein. Après, aux États-Unis, je crois que c'est différent. Hein. Mais les cargaisons, elles sont.
Frère, toujours plus quoi. Toujours plus quoi. Et il peine à me doubler hein, l'autre. Et ouais, tu peux pas rivaliser avec un Peterbilt. Peterbilt. C'est quoi votre marque de camion préférée? Américain, je parle bien. Je sais que Peterbilt était pas mal revenu. Il y en a un autre aussi qui revient beaucoup. Mais je sais plus c'est quoi. D'ailleurs, par exemple, mon camping-car là. La dernière vidéo sur American Truck que j'ai fait avec un camping-car. Ah non, c'était un Freightliner, je m'en souviens. Ouais, alors Freightliner, je crois que c'est une marque qui est bien réputée, si je dis pas de bêtises. Voilà. Me semble, hein, je dis probablement des conneries. Mais il me semble que Freightliner et Peterbilt, c'est les deux seuls qui me disent quelque chose en tout cas. Ils ont tous les mêmes voitures, hein. Ça c'est quand même incroyable. Est-ce que vous voulez que je mette un mode où il y a de nouveau les voitures de GTA V? Si déjà on est aux States. Non, non, on va pas exagérer, hein. On va pas exagérer. Si vous avez des idées de mode et tout, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Pareil pour les DLC. Alors, j'ai pris tous les DLC possibles hein, sur Eneba. Il y a probablement pas tous les DLC, je me doute bien. À moins que je les ai tous pris, j'en ai aucune idée. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Je me suis peut-être planté, mais en tout cas. En tout cas, voilà. Drive, nailed, quoi? Nailed, ça veut dire. Ça veut dire ralentir, non? Pas du tout. Oh là là, les petites. Les petits rochers là. Les petits Yves Rocher. Longview. Longview hein, pour les anglophobes. Ouah, Saturn. Là, ça commence à ralentir devant. Je la sens pas cette histoire. Je vais peut-être un petit peu faire gaffe. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Franchement, le trafic est fluide. Je suis pas trop mal. Je vous ai dit, hein, les distances de sécurité. Durant cette aventure, je vais les respecter. Alors, le camion, il me plaît pas. On enlève le régulateur. Je vais me caler derrière lui. Rien du tout. Non, 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 attends. Je vais me caler derrière lui. J'avais pas vu qu'il fallait sortir si tôt. Voilà, on va essayer de pas être trop con. Hein. J'ai quand même bien commencé l'aventure. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Hein, on a fait pas mal de bêtises dès le début. Donc on va quand même éviter de trop faire les cons. Putain, comme il m'a tracé en plus. TNT. Boum. Allez, 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 on y croit, je rétrograde pas. Allez, 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 allez. Ouh, ouh, ouh. On y croit, on va reprendre la descente. Et on reprend l'autoroute. C'est pas fini. Ah hein. Oh là là, j'aime beaucoup ce bruit quand même. Le bruit est sympa. Pareil, alors, je sais pas. Bon, LSNC Fox, il est calé, alors je lui demanderai. Enfin, il est calé, alors peut-être pas sur American Truck, mais je pense que les modes doivent être à peu près pareils, mais en gros. Bon alors je vais prendre des modes de camions custom hein. Ça je vous dis direct, vous inquiétez pas. On va s'acheter des camions custom sur le workshop. Mais par contre des bruits pour avoir un moteur de ouf. Tu vois genre autant en profiter là avant qu'on passe tous à l'électrique. Parce que frère 2€ le diesel au moment où je tourne la vidéo merci quoi. Bon bref. Excusez-moi. Je suis un petit peu emporté. Anecdote, je vais au boulot en vélo. Alors le soir je vais pas pouvoir faire de stream durant ces prochains temps. Ou alors ce sera très tard si je fais des streams. Parce que le boulot c'est pas la porte à côté. Je vais y aller en vélo. Je vais rentrer de nuit frérot. Parce que si t'as cru que j'allais mettre 2€ de litre, sachant que c'est pas prêt d'arrêter d'augmenter. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous. Ma vie va se résumer à faire du sport et aller au boulot. Parce que je vais faire du vélo. Pas le choix. Je m'en fous frère. C'est trop cher, je ne peux pas. Sinon je peux arrêter de bosser. Ça sert à rien de toute façon. Donc c'est trop cher. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui bref, donc un bon son de camion ce serait incroyable. Tu vois genre un gros truc. J'avais vu sur une vidéo d'L7C Fox. Ça fait un petit moment maintenant. Il était avec Miss. Et je me souviens que d'ailleurs Miss ça l'avait un petit peu hop là la voiture derrière. Voilà, vous avez entendu ce bruit? C'est pas ce que vous croyez. C'est l'autre qui fait le con aussi. Il voit bien que je tourne et que j'ai un porte-à-faux. Porte-à-faux, c'est pas ça le mot que je cherchais tout à l'heure? Porte-à-faux frère, je crois que c'est ça. Mais bon bref bon le bruit à la longue il est chiant quoi. Mais ce serait trop stylé. Ouin. Est-ce que vous êtes prêts pour la miniature? On va bientôt se la faire la miniature. On va descendre un peu et on va faire la miniature avec cette île sur le Teco. On va faire gaffe avec la voiture devant. Hop et là bam, juste ici messieurs dames. Studio photo, mode photo. Ouais. Il a quand même de la gueule ce camion. Hein. Il a quand même de la gueule. Hein. Et regardez. Hop. Ouais, je sais pas trop.
Voilà. Attendez, bougez pas. Voilà, évidemment, toujours très important. La petite saturation, parce que ça tue. Et la force de flou, toujours un peu embêtante. Voilà. This is America. Ah là, on est bien. Ah là, on est très bien. On en fera peut-être une tout à l'heure quand on arrivera dans la prochaine ville que je ne connais pas. Mais en tout cas, voilà. Très joli SUV en tout cas. Hein. Ça, c'est de l'électrique, ça. Hein. Ça, c'est de l'écologique. Hein. Eh, Greta Thunberg. Oh, attendez, regardez la voiture qui passe. Attendez, ça, j'adore. Ah non, c'est pas ce que je croyais, mais. Si, bah si, c'est à la GTA un petit peu, ça. Ça, j'aime beaucoup. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est les voitures cubaines, là. Enfin, les voitures cubaines, du coup, c'est super parce que c'est le gros cliché. Mais disons, je veux dire, la vieille voiture des États-Unis, quoi. Des années 60. Ça, mais frérot. Oh, mais c'est une régalade. Hein. J'adore. Oh, ce bruit. Oh. Oh. Oh là, excusez-moi. J'ai adoré. J'ai adoré. Ah, je vais mettre le frein additionnel plus régulièrement. Voilà. Je suis peut-être un peu enflammé là. Hop, et on est arrivé là, non? Oh non, on est arrivé. Je vais pas arrêter. Je vais continuer de rouler. Oh, feu rouge. Écoutez, écoutez. Voilà, désolé pour la frayeur, la voiture devant. Oh putain, wow, punaise, ça secoue les michottes. Hein. Faudrait que je décale à gauche par contre. Hein. Hop, ok. On se fait un pierre ciseaux feuille. Non, on est arrivé, attendez. On se réserve ça pour... Quand on descendra un petit peu, alors je sais que c'est pas la même ambiance, mais au Mexique ou les trucs comme ça, comme c'est... Enfin, au Mexique, bah non, on va pas au Mexique du coup, connard. Je suis bête. Mais au Nouveau-Mexique, justement, voilà. À la frontière du Mexique. T'as vu comment je m'y connais un petit peu. Faudra qu'on se mette de la musique cubaine. Oh là 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 là. Ça va être une régalade. Hein. Durant cette aventure, il y aura tout style de musique. Hein. On va s'écouter de la country, de la musique de Cuba. Ça va être machala quoi. Hein. Et la solidarité entre routiers n'existe pas hein, aux États-Unis, hein, sachez-le. En tout cas, c'est ce que je constate. Nescafé, mes couilles. J'ai mon clignotant comme un connard depuis tout à l'heure, si jamais. C'est une blague. Allez tous vous faire. Allez tous vous faire foutre. Là, on va avoir un problème là. Là, on va avoir un problème et je vais faire chier tout le monde et tant pis. J'en ai rien à foutre, c'est tant pis pour vous, fallait me laisser passer. Je bloque tout le monde, je m'en fous. Non mais c'est une blague. Ah voilà, attendez. Attendez, c'est pas ce que vous croyez, j'avais oublié que j'avais le porte-à-faux avant là. Voilà la voiture, merci, voilà. Voilà, les voitures sont quand même plus élevées. Voilà. C'est ce que je vous dis, hein. Entre routiers, il n'y a pas de solidarité ici. Hein. Bordel de cul quoi. Terminals right lane. Portland, découverte, bienvenue à Portland. Tiens. Attendez, je vais juste les insulter là. On va ouvrir la fenêtre. Alors, faut pas que ça finisse sur TikTok encore une fois parce que... Aucun intérêt. Oh! Salope. Je rigole. Hey, motherfucker. On est à la GTA, motherfucker. Allez, oh putain, faut que j'y aille. Vroom vroom. Oh, regardez, il y a une Camaro. Ouais, ça va. Feu orange. Je passe, hein. Vous attendez, hein. Tiens. Voilà, on arrive dans cette petite zone. FedEx! Magnifique. Le frein est beaucoup trop fort, hein. Il faut vraiment que je configure ça parce que vous allez m'entendre râler très souvent sinon. Trident! Ah, un trident, c'est les tridents de Minecraft? Ok. Je peux choisir ma livraison ou je dois aller me faire foutre? C'est une blague, je suis arrivé, il me propose pas. C'est ridicule. Attendez, je sais pourquoi. Voilà. Oh, on peut pas faire la livraison de ouf. Quoi? Mais c'est pourri. Mais quelle déception. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer de rouler, les gars. Je vous le dis, vivement dimanche. Hein. Vivement dimanche. Hein. Et j'ai hâte de voir vos retours aussi. Hein.
Parce que là, je me suis régalé aujourd'hui. Hein. Je me suis régalé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Ah oui, non, mais après, je suis aussi pas bien, quoi. Je vais faire en vue extérieure, je suis désolé. Bon, voilà. Magnifique. Ah, punaise! Quel bonheur! C'est trop bien, on a fait 170 miles. 4 hours, 6 minutes. 31.9 Gal. Je sais pas ce que ça veut dire. Et niveau 1, oui, longue distance, bien sûr, longue distance. On est là pour la longue distance après tout. Magnifique, les gars, magnifique. On va se régaler en regardant un petit peu les emails. Les emails. Nouveau modal, Paterbytes à vendre, très bien. Et besoin d'argent, la banque, évidemment, qu'on emmerde. Ok, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment le pouce bleu. Bombardez-moi cette punaise de barre des likes. Parce que pour le coup, là, on est sur une nouvelle aventure. On est vraiment bien. Regardez ma tête de champion en bois droite. C'est magnifique. Les gars, je vais me faire cette même coupe juste pour la vanne. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À demain pour une vidéo de 6 minutes, les gars. C'est très rapide. Vous allez vous éclater. Et dimanche, j'espère que vous allez vous éclater également. Puisque ce sera pas 6 minutes, mais ce sera sur American Truck Simulator. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde!